Salut gens, c'est Mami25, aujourd'hui je me reprends en compagnie pour une nouvelle vidéo sur le jeu, comme vous pouvez le voir, c'est écrit là, Digital Paintball 2. Donc comme son nom l'a dit, c'est un paintball, c'est un jeu de paintball, excusez-moi. Donc c'est parti, on va dire être rejoindre une petite partie. Donc rapidement pour résumer, c'est un jeu gratuit, donc en free to play, qui est sorti à... je pourrais pas dire, mais plusieurs années déjà. Donc il pèse rien, et puis là c'est sympa à jouer, mais c'est assez dur quand même. Enfin, je veux dire, il est pas simple à jouer quand même. Il faut avoir des techniques, il faut bien se déplacer, voilà. Tout ça. Vous remarquerez peut-être que ma voix a changé, c'est normal, parce que j'ai un nouveau micro, un AKG, donc c'est un... c'est un casque de gamer, hein. Donc c'est pas mal parce que ça isole bien. Donc comme ça je vais pouvoir jouer tranquille. Donc c'est pas du tout attendez, voilà. C'est pas du tout un jeu réaliste, hein, ce jeu. Puis il est pas fait pour l'être, hein. Oula, prendre là, je pense qu'il y a pas mal de lag. Ouh putain, 164 de ping, voilà. Ça c'est un des plus gros défauts du jeu. Les plus gros problèmes, c'est la connexion et les serveurs. Enfin, si vous êtes français, hein, surtout, parce que je peux vous dire qu'après vous avez vraiment une connexion en mousse. Hein. Regardez là, j'ai entre le temps aussi que j'ai tué et puis le temps aussi qui m'a marqué, il y a une seconde, donc ouais, c'est dérangeant le lag. Mais bon, sinon c'est assez sympa à jouer. Donc je vais vous montrer, donc là c'est on est en normal, hein, donc en team deathmatch, et aussi du deathmatch normal, donc mêlée générale. Donc il y a plusieurs modes de jeu, enfin que deux surtout, et puis il y a aussi la recherche de destruction, enfin, c'est un peu ça, mais voilà. Puis vous avez aussi bah, capture de drapeau, je crois que c'est ça là, mais je suis pas du tout sûr. Donc très simple, hein. Donc c'est un gameplay très assez dynamique, hein. Allez, faut surtout pas camper, sinon vous êtes mort, faut toujours bouger. Oui, donc je vais vous montrer un autre mode, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais ça c'est spécial en fait. C'est comme dans Code 4 par exemple, il y a des serveurs de Strafe Jump. Et bah là ça s'appelle le Superman. Donc je vous montrerai. J'espère que je tomberai sur une bonne map. Donc en fait ça consiste à faire un parcours. Puis d'arriver à la fin tout simplement. Donc c'est vachement sympa à faire. Donc je vous montrerai ça plus tard. Là aujourd'hui j'ai du temps libre pour faire des vidéos, donc ça va être cool. Je vais en faire plusieurs pour histoire d'en avoir en stock. Parce que d'habitude je suis vraiment à la bourre pour faire mes vidéos. Donc là comme ça j'en aurai en stock, ce sera cool. Par contre je sais pas sur quoi je vais faire comme vidéo après. Je sais pas du tout, peut-être un petit gameplay sur Spray Knight. Ou un gameplay sur une vidéo de découverte sur Wolfenstein Enemy Territory. Donc je vais voir. Donc là j'ai oublié de mettre mon timer, mais je sais pas combien de minutes de vidéo on est, mais bon, je vais quitter la partie pour montrer le fameux mode dont je vous parlais juste avant là. Alors c'est ça là, Crack the Jump. Alors ça s'appelle soit Superman soit The Jump, enfin le jump quoi. Alors là, non ça c'est de la merde, je connais ça, c'est nul, là. Non c'est pas celui-là que je veux, non. Ah bah il est pas. Ah si là, Superman Easy Jump. Ah ouais, je serai tout seul, ce sera plus facile pour faire la vidéo comme ça. Oh, on va attendre un petit temps. Ah yes. Oh c'est parfait. Là, je fais une vidéo et je tombe sur ma map préférée. Ah oh, c'est magnifique. Donc, je vais vous montrer. Donc là c'est pas un élimination ou je sais pas quoi, hein. C'est vraiment un mode libre. Enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais... Donc là je vais vous montrer la particularité donc avec de ce jeu, donc, et puis avec quoi on peut faire tout ce parcours là. Vous voyez il y a vraiment haut, là le but c'est d'aller tout en haut, je suis jamais là en haut, je suis qu'au jaune qu'on voit là-bas. Donc je vais vous montrer en fait, quand on saute plusieurs fois comme ça, ça nous fait atteindre une vitesse folle, ça nous fait glisser, enfin après je vais vous montrer ça. Donc ça il n'y a pas beaucoup besoin de l'utiliser dans cette map, mais bon.
Là, je monte. Merde, je suis tombé. J'y retourne. Je pense que les moments où c'est que je tombe et puis pour revenir à l'endroit où c'est que j'étais avant. Hein. Pour les épargner ça, putain. Ah là là. Un gros fail quoi. D'habitude j'arrive super bien en plus cette map. Mais... Voilà, juste avant où c'est que je suis la vidéo. Ouh, j'ai fait tomber. Du coup là, rien que là, on est déjà assez haut. Donc c'est vachement sympa comme style de jeu. Put. Ok, je fais une ellipse, je reviens. Voilà, me revoilà à l'endroit où j'étais avant. Donc c'est là que j'étais tombé. J'espère pas de me rater cette fois-ci, mais putain! Ah, excusez-moi, j'ai sûrement juré, mais. D'habitude, j'arrive bien en plus. Cette map, là où c'est qu'on était juste avant, j'arrivais assez tranquillement, mais là, je sais pas ce que j'ai, je bloque. Là, je vais péter un câble, les gens. Pas mal là. Non! Oh mon dieu, je vais péter un câble. Bon, bah, je pense que je vais arrêter la vidéo là-dessus, hein. Donc merci de l'avoir regardé, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, de commenter, de vous abonner, ça aussi ça me fait plaisir, d'aimer ma page Facebook pour des news toutes les semaines, toute la semaine plutôt, être rejoint de mon Twitter, donc comme ça je pourrai parler avec vous, comme ça ce sera sympa. Allez, à plus les gens!